Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler des vacances de Fally Ipupa à Dubaï, ok? Alors installez-vous, tenez-vous prêts, prenez vos verres de jus, votre cocktail marmaillé, let's go! Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Et te roi, à ta bonne et à ma loyer. Colon, au thé mananga, et comme ça y est. Oh, Yahweh, comme maman. Oh, Yahweh, comme maman. Et l'ombé, Yahweh, comme maman. Alors, j'espère que vous avez suivi le spot. Il s'agit bien entendu de Vanessa Herwig. Elle vous propose des très belles perruques à un prix très abordable et elle vous livre partout à travers le monde. Allez faire un tour sur sa page Facebook ou encore passer vos commandes sur le +32 465 32 36 38. N'est-ce pas, vous bénéficiez d'une réduction à l'achat. Ok, et votre code promo, c'est le hashtag demeure tout simplement, d'accord? Et aussi, pour ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché. Là, vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très, très, très abordable. Alors, parlons des vacances de Fally Ipupa à Dubaï. Pendant que les détracteurs sont en train de se balader, de crever même sous le chaud soleil de Kinshasa, parce que je vous jure, ce temps-ci, il fait tellement chaud, mais tellement chaud. Mais au-dessus de ça, là même, vous avez droit à une pluie. Je vous jure, il pleut à tout va en ce moment à Kinshasa. Vous savez, c'est le mois d'avril qui tend vers sa fin. Et puis, il y a le mois de mai qui arrive. Ce qui veut dire que bientôt, c'est la saison sèche. Parce qu'en juin, c'est pratiquement la saison sèche. Donc, ça brûle ici à Kinshasa. Il fait chaud et on transpire. Alors, les détracteurs, pendant qu'ils souffrent de ça, là, pendant qu'ils sont en train de souffrir sous ce chaud soleil, Fally Ipupa passe des bons moments avec son équipe à Dubaï. Pendant que Nana Ketchup est quelque part aussi dans la nature, en train de savourer les merveilleux cadeaux que son tendre et cher époux, Fally Ipupa, lui a offert pour son anniversaire. Des sacs à main de marque. C'est-à-dire pas de la chintoquerie, pas de la piraterie. Je vous dis le vrai. Je vous dis les vrais. Des vrais sacs venus tout droit de l'usine. Est-ce que ces sacs-là ne sont même pas dédicacés? Et en dehors de ça, on lui a dit, je te laisse ma carte bancaire. Tu n'as qu'à en faire ce que tu veux. Tu achètes ce que tu veux. Tu t'offres ce que tu veux. De toute façon, tu le mérites. Tu es Bafana. Bafana. Love. Pendant qu'elle est en train de savourer toutes ces choses, pendant qu'elle est en train de vivre sa vie de reine, la Queen Mother, son très cher et tendre époux, Fally Ipupa, n'est-ce pas, que nous connaissons tous, c'est-à-dire la star, est en train de passer des très bons moments. En compagnie de son équipe, on a pu constater la présence, en tout cas, de Papa Eddy Badiata, de Maman Nana Bouduga, de Eji Kitenge, l'homme de Dia, 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 Dia. Et j'en passe. Je pense que j'ai même constaté qu'il y avait aussi son manager Madina. Donc, bref, il est entouré de son équipe. Ils sont en train de passer des très, très bons moments, d'ailleurs. Ils sont en train de passer des bons moments dans un des restaurants luxueux de Dubaï. Je dis, ils sont en train de passer des bons moments dans un des restaurants luxueux de Dubaï. C'est-à-dire, seules les personnes qui en ont un peu y vont. Seules les personnes qui en ont un peu y vont. Si là-bas, tu n'as pas d'argent, tu n'y vas pas. Fally Ipupa et son équipe, ils sont en train de régler une facture rien que pour un simple dîner, un simple repas à table avec son équipe. Ils sont en train de régler une facture qui coûte environ 3 279 $. Ça, ce n'est que cette facture-là. Depuis qu'ils sont arrivés là-bas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas mangé?
On voit en image qu'ils sont en train de se balader, aller à la plage et aller ceci et cela. Je dis, quand quelqu'un vend sur les plateformes, quand quelqu'un se consomme sur YouTube, quand quelqu'un reçoit des cachets exorbitants des concerts, quand quelqu'un fait des tournées, quand un album réussit, ça donne ça. Une vie de rêve. Je dis, en ce moment, il y a des gens qui sont en train de leur envier. Il y a des gens qui sont en train de leur envier. Qui n'aimerait pas avoir cette vie, oh? Qui n'aimerait pas avoir cette vie, oh, ah? Qui n'aimerait pas avoir cette vie, le goût de chat? Je dis, ah, c'est pas cocktail Marmaille qui a manqué sur cette table-là. Ils ont bénéficié des meilleurs mélanges même de Dubaï. Pendant ce temps, les détracteurs affamés, en train de sécher leur salive, même à inventer des âneries. Le gars passe les bons moments de sa vie, quoi. C'est-à-dire, il est en mode détente. Peut-être qu'il bosse, hein, mais il se détend. Je dis, la vie de star, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Si. Une star sur un sol étranger. Mais les vacances à Dubaï, il faut pas y aller vite fait comme ça. Tu passes vite fait comme si. Il faut savourer ton Dubaï. Et c'est ce que Fally est en train de faire avec son équipe. Donc, les amis, c'était mon Congo, ça. Partagez ce lien, allez donner aux détracteurs. Dites que Fally est en train de passer les meilleurs moments, en ce temps présent même. Pendant que les détracteurs sont en train de transpirer, inventer des conneries, à collectionner des mensonges, le gars, il vit paisiblement à Dubaï, tranquille. Il le vit bien, sa vie de star, accompagné de son équipe. Il y en a jusqu'à peut-être leur mort. Ne vont pas bénéficier de ça. Si. Mais ils vont être là assis à raconter des conneries. Je voulais juste vous donner au fait la géolocalisation de Fally. Pendant que les détracteurs seront en train de parler, le gars va certainement en train de payer un petit déjeuner à 2000 dollars pour lui et son équipe. Il va certainement se payer encore une montre de luxe. Il va peut-être payer des babouches de chambre à 1 500, ce qui combien. C'est quoi l'argent des gens de Dubaï même? C'est l'euro, les dollars. Il va peut-être même se payer, je ne sais pas moi, un truc débile à 5 000 dollars. Parce que les gens qui ont de l'argent là, ils achètent des choses qui n'ont ni tête ni queue, mais qui coûtent des prix exorbitants. Hein. J'ai vu un tableau débile. J'ai demandé le prix. On m'a dit ça coûte environ 25 000 dollars. J'ai dit, le gars, il a peint quoi? C'est pas sa main qui l'a posé dessus, c'est tout. Oh non, mais c'est pas n'importe quel peintre. J'ai dit, être riche, c'est bien haut. C'est-à-dire, ma fille peut mettre la main dans la peinture, pose sur un tableau, et puis on vend ça cher, quoi. Et puis on va dire, c'est pas n'importe quel peintre qui a fait ça. C'est la vie de star. Donc, pendant que Fally est là-bas, je suis sûre qui va se faire plaisir, mais convenablement, quoi. Pendant ce temps, son épouse savoure ses cadeaux. Si, la reine-mère, elle est là, assise sur son trône, en train de savourer. Parce qu'on lui a laissé la carte. On a dit, si tu te fatigues avec ça quand même comme cadeau, va payer des chaussures assorties. On a dit, si tu te fatigues avec ça quand même, va payer des robes assorties. Je t'ai laissé la carte. Ne touche pas à ton compte bancaire, bébé. Ma chérie, ne touche pas à ton compte bancaire. Si, les sacs à main, tu te fatigues avec. Va acheter des foulards assortis. Elle est en train d'utiliser la carte bancaire de son mari, quoi. C'est-à-dire le type qui va tout le temps tourner. Oui, qui travaille dur. Hey, pour nourrir ses enfants. Le bon papa, le meilleur papa, oui, le papa le plus responsable aux 4K, en vacances à Dubaï, avec son équipe, et sa femme vit la vie de reine, quoi. Et si elle veut, elle peut prendre avion, elle va le rejoindre. Si elle veut, elle peut aller encore aux États-Unis. Si elle veut, elle peut aller en France. Si elle veut, elle peut aller je ne sais où. On peut être riche comme ça. On peut vivre bien comme ça. Les détracteurs,
Vous allez crever sous les arbres, là, sous le chaud soleil de Kinshasa à faire des émissions débiles en col roulé. Vous allez crever dans cette pièce où vous commencez à vous mettre maintenant avec votre masse là. Et ça doit être étouffant, hein. Pendant ce temps, le gars vit bien. Vous allez crever. Parce que pendant que vous racontez là, le type consomme son argent. Il vit sa vie de roi, quoi. Si, si. Il vit sa vie de star. Il est entouré. Sa femme vit bien et ses enfants vivent bien. C'est le plus important. Pendant ce temps, vous vous serez là en train de traîner dans des émissions débiles à raconter des âneries. C'était juste pour vous dire qu'à 20h, nous avons un merveilleux direct qui nous attend. Si, si. Les autres informations sur Fali, on va leur donner dans le temps. C'est-à-dire, à 20h, vous invitez tout le monde, les Warriors. Dites à tout le monde que Tata D a dit que la maman coup de gueule demeure Moukoussi Atalo. Hashtag à maître 2 a dit rendez-vous spécial. Pas à Dubaï. C'est à Kinshasa que ça va se passer. Mais vous, vous allez me suivre partout à travers le monde. On sent en direct. Oui, oui, les Warriors vont s'exprimer. C'est tous les jeudis à 20h, le numéro 1 aussi aujourd'hui. Je veux vous voir mobilisés et très actifs. Venez nombreux. Vous devez être présents parce que ces détracteurs-là ne peuvent pas vous faire flipper au point d'oublier même le plus essentiel, quoi. Donc voilà, passez le message, communiquez autour, dites à tout le monde, oui, Fally Ipupa est à Dubaï avec son équipe. Oui, son équipe, les musiciens sont ici à Kin en train de répéter. Oui, sa femme est en train de passer encore des très bons moments d'anniversaire. Oui, oui, tout se passe très bien et que la FNAC va encore les CD de Tokos 1 et de Tokos 2. Mais nous avons un rendez-vous spécial ce jeudi à 20h sur demeure officielle. On va aller discuter, on va aller échanger, ça sera à téléphone ouvert. Donc venez nombreux parce que nous sommes de retour. Les détracteurs n'ont qu'à crever sous les soleils de Kinshasa. Pendant ce temps, vous vivez bien quoi. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je vous aime trop, je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite une excellente journée, passez des très bons moments. Je dis des très bons moments et je vous dis à très prochainement. Mouah. Naboma yo bien amotema Nalela yo neti damage Ya yanga ina yo se pour le meilleur et le pire te Adamo bimbo zanga defo Pana linza katina suki Ole zanga mo neti pondoué Nagazi talanga pe neti boboy Talanga nenge na lingaka Kanga maboko Talama nenge na lingaka kanga na maboko namo poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza 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 peza tuju nga poza 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 hala yo bien amotema Nalela yo neti damage Yanga ina yo zavule meyo le pilte Otomo bimo zanga defo Nalinda katina suki Ole zanga ngo neti bobo Nekazi telanga pe neti bobo Talanga nenge na lingaka Kanga nga maboko na monoko Talanga Kanga maboko namo poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza 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 peza tuju nga poza 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 peza tuju nga poza peza kanga ba poza peza tuju nga poza 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 Tobina console, Tobina console, Tobina console, Tobina.
être royal. A ta pona yambaloyo. Colon, o te mananga, et comme ça yo.